Bienvenue si vous nous rejoignez et surtout bienvenue à toi Bernard Zanzouri. Merci Cathy, bonjour. Comment ça va? Ouais, super. Bon, alors si vous êtes vous intéressez plutôt à l'éducation, si vous avez des ados à la maison, même des jeunes ados ou des pré-ados entre 11 et 18 ans, si vous vous plaignez, ils ont trop d'énergie, ils vous cassent la tête, tout est problématique avec eux, vous ne vous en sortez pas, eh bien écoutez l'émission parce que Bernard Zanzouri, expert en éducation informelle, a mis au point un nouveau projet dont on a un petit peu entendu parler, c'est normal, il est en préparation, mais là, il est prêt, ça s'appelle E égale MC mieux, une nouvelle façon de traiter nos adolescents et nos pré-adolescents. Alors, vous êtes curieux, vous ne savez pas de quoi on va parler, ben, écoutez-nous. Alors, Bernard, E égale MC mieux, on va commencer par le commencement. C'est quoi ce nom? Eh bien, c'est un petit nom que j'ai trouvé, une petite formule, et tout à fait, la fameuse formule d'Einstein. Moi, j'avais un petit problème, c'est que je reçois aussi des parents privés qui arrivent, voilà, mon adolescent, on a de gros problèmes à la maison. Et moi, je regarde l'adolescent et je vois pas de problème. Alors, je suis un peu embêté parce que les parents arrivent, ils vont payer aussi leurs séances, etc. Je dois leur raconter quelque chose. Et en fait, j'ai décidé de les aider un peu parce que je voyais que les parents avaient envie d'emmener leur enfant, comme on amène sa voiture pour faire la vérification, là, 10 000 kilomètres. Tu peux resserrer les boulons, changer l'huile et puis tu me le rends bien sympathique. Et en fait, j'ai dit, bon, on va trouver une formule un peu entre les deux où je vais les aider, mais ils vont devoir faire un effort. Et cette formule, c'était E égale MC mieux, c'est-à-dire... On prend l'énergie du gosse, on va la diriger vers des choses qu'il aime, avec des gens qu'il aime, dans une ambiance qu'il aime. Et si cette énergie est dirigée vers de l'amour, vers des choses qu'il aime faire, on va avoir des résultats tout à fait surprenants. Depuis 30 ans que je suis dans l'éducation informelle, j'ai vu des miracles se produire sur des enfants. Alors, prendre ses enfants, les amener vers des domaines qu'ils aiment, leur faire découvrir d'autres mondes, c'est ça le projet E égale MC mieux. C'est ça le projet E égale MC mieux. Et comme je l'entends dans ton ton, effectivement, comment on pouvait conjuguer ça, cette idée-là, en quelque chose de pratique, leur proposer quelque chose de pratique, oui, de bien fermé, qui ressemble à quelque chose, à une misguérette, à un cadre où les parents se rassurent en disant « Ah, ça a l'air construit ». Tu voulais me poser une question? Non, c'est pas ça. Mais ce que je voulais te dire, c'est que effectivement, on se demande ce que tu vas faire, parce que bon, nous, tu sais bien qu'ici, on aime bien le concret. C'est nouveau, donc ça a été testé par toi, je crois, au mois de mars dernier. Alors, ça a été testé au mois de mars. On peut le voir sur les photos qui sont autour de nous. On a fait effectivement avec un petit groupe expérimental. Les groupes vont toujours être 12-13 personnes. On a réuni une douzaine d'ados. Il y avait des Olim Hadashim, il y avait des gens qui étaient nés en Israël, et pourtant, ça a fonctionné fantastiquement au niveau de l'ambiance. On les a fait bosser à l'époque sur une émission de radio. Ils devaient préparer 5 minutes d'émission de radio. Pour eux, c'était pas mal. Il y a pas mal de caméras, il y a pas mal de pression. Et ils s'en sont super bien sortis. Ouais, il y avait une ambiance très sympa. Ce qui était assez intéressant, moi qui étais dans les coulisses, il faut bien le dire, parce que j'ai assisté à la préparation, c'est qu'au début, ils ont fait un test qui n'a pas été diffusé. Et donc, on a vu la différence entre la préparation, tout seul comme ça, lâché, sans explication, sans guide, sans... Voilà. Donc, ce qu'ils avaient en eux, en fait, mais ils n'étaient pas entourés. Tout à fait, tu as raison. Ça avait confirmé notre théorie. C'est-à-dire, au début, ils arrivent avec toute leur énergie, même l'énergie un peu négative, de grogner. Ouais, pourquoi mes parents, ils ont voulu que je vienne ici? C'est nul. J'ai autre chose à faire. En plus, c'était un jour de congé. Ils ont pris sur un jour de congé. Ouais, c'est nul. Bali, la lechette, j'ai envie de me barrer. Et puis, petit à petit, premier test, pas terrible, j'arrive pas avec le micro, j'ai peur de parler. Et puis, un peu de travail, un encadrement sympa, des activités un peu ludiques, même au milieu, qu'on a glissé. Et puis, soudain, l'enfant prend 2-3 ans en maturité, il a envie de faire quelque chose, de le réussir. Et chacun avait pris un sujet, il a préparé sa petite pina, son petit coin radio, ses petits 5 minutes de façon importante. Et puis d'un coup, on a l'émission qui est enregistrée, on la mettra en ligne. Mais on voit des gens qui présentent une vraie émission de radio. Alors, bien sûr, dans ce projet, il n'y aura pas que ça, Bernard. La radio, c'est
un domaine parmi tant d'autres, mais il y a beaucoup de domaines qui vont pouvoir être abordés. On a un tas de domaines, on est déjà en contact avec un tas de gens, il va y avoir des trucs sur la mode, ça va faire énormément des sites internet, du cinéma. Le cinéma, c'est ce par quoi on va commencer, parce qu'on a trouvé un fou furieux, un type qui adore le cinéma et qui attendait dans les starting blocks qu'on lui donne l'occasion. Il s'appelle Johan Halimi, il est incroyable. Il est en train de préparer pour les jeunes des trucs fous, vraiment, avec une partie où on étudie, on apprend vraiment quelque chose, et puis une partie pratique où ils vont aller vraiment faire un stage de metteur en scène incroyable. Mais en vrai, tous les ateliers qu'on va aborder sont pas des ateliers. Si vous regardez bien, c'est des mini-stages, des espèces d'initiations pour que le gosse lui donne des envies. C'est peut-être le maître mot de ce projet, donner des envies aux gosses, les faire un peu redémarrer, ces fameux enfants qui sont toujours devant l'écran. Nous, on va pas condamner l'écran, on va dire juste, viens, tu es capable de plus encore. Alors, tu proposes des mini-stages, on va dire ça comme ça. En fait, en gros, ça se découpe en 4 séances d'1h30. Alors, on peut faire un mini-stage 6 heures d'affilée, peut-être. T'as tout à fait raison, parce que pendant l'année, ça va être 1h30, parce que les enfants ont cours, il faut trouver des bons horaires. Et puis, dès qu'on sera en période de vacances, on fera, oui, des journées stage de 6 heures avec un déjeuner au milieu, etc., pour passer une vraie journée ensemble, parce que ça a aussi une valeur. Et ce travail du groupe, ce travail de l'encadrement, ce travail des parents, parce que chez nous, les parents sont concernés. On va faire une petite formation qu'on va proposer aux parents pour savoir parler aux adolescents en 2018. C'est facultatif, mais très fortement recommandé. Toute cette ambiance-là, il y a tes parents qui sont en filigrane, qui sont pas loin. Il y a des animateurs, des managers qui sont là aussi avec toi. Et il y a les gosses du groupe qui travaillent avec toi. Ça met l'enfant sur les rails. Il va pas bouger parce que c'est très excitant comme ambiance. Ok, alors on a parlé de l'âge, donc des enfants entre 11 et 18 ans. Mais quel profil d'enfant ? C'est pour tout le monde ? Alors c'est pour tout le monde. Nous, on fait pas de distinction parce que je veux vous dire, il y a des enfants qui vont être définis comme très normatifs parce qu'ils ont 90 sur 100 à l'école dans toutes les matières. Mais en fait, ils sont complètement introvertis, ils n'arrivent pas à aller au contact, ils ont peur de se lancer, ils n'ont pas de copains, ils n'ont pas de relations, ils sont devant leur écran un peu, mais c'est de bons élèves, donc personne ne s'en occupe, ils passent complètement à travers les filtres. Et puis vous avez d'autres enfants, ils ne veulent plus aller à l'école, mais ils ont plein de capacités, plein de potentiel. Moi, je veux les mélanger, je veux qu'il y ait un brassage, je veux qu'il y ait les enfants qui commencent un tout petit peu à être borderline, à se poser des questions, qui soient mélangés avec des types qui sont plus timorés, mieux coiffés, etc. Et on l'a vu même, il y avait des enfants un peu très différents dans ce premier pilote qu'on avait fait. Et à la fin de la journée, c'était impossible de voir qui était borderline. Ils étaient tous copains, ils étaient tous ensemble, ils avaient envie de faire des choses. Et on va leur donner à eux aussi l'occasion de faire plein de choses cette année. Alors, on va quand même donner le rendez-vous si ce projet vous a intéressé. Rendez-vous à ne pas manquer, ce sera jeudi 1er novembre. C'est une première prise de contact. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Galen Seigneur. La pub va sortir dans 2 jours, la pub officielle, elle va courir, vous pourrez même commencer à vous inscrire. Mais c'est vrai que si vous êtes un parent responsable, vous avez envie de rentrer en contact, voir qui est le directeur du projet, qui vont être les animateurs. Et le grand rendez-vous, c'est effectivement jeudi, c'est ici, c'est à Kalita. Tout le monde connaît le hub de Kalita. Alors, au centre-ville. 10 Rehov Arabe à Gan. Ce sera le jeudi 1er novembre de 16h à 18h30. Une journée porte ouverte, enfin quelques heures porte ouverte. Où vous avez l'occasion effectivement de parler, vous pouvez amener vos jeunes, c'est très important aussi. On va faire une présentation, on va expliquer le projet. Il y aura une petite conférence, une mini-conférence où je répondrai aux questions aussi des jeunes qui veulent comprendre pourquoi on a monté, quelle est l'idée. Et puis, vous pourrez vous inscrire aussi directement sur place, en sachant que on va travailler sur un temps très, très court, un laps de temps très court, parce que la semaine d'après, directement le 8, on commence les ateliers. Et l'atelier Silence, on tourne, qui est un atelier d'initiation à la mise en scène. Vous allez apprendre à être metteur en scène. Et c'est vraiment un truc super préparé, super bien. Alors, apprendre à être metteur en scène en français ou en hébreu ? Alors, le premier atelier se fera en français. On a un problème avec les adolescents, parce qu'on a des enfants de Holly qui sont arrivés très récemment, ils ne parlent pas encore hébreu. Donc on va demander aux Israéliens ou à ceux qui sont nés là vraiment depuis longtemps, même si leurs parents étaient francophones, de faire un petit effort, en sachant que notre animateur sait aussi traduire, il peut expliquer s'il y a des mots que vous ne comprenez pas en français. Il y aura aussi des stages qui se feront en hébreu pour les gosses qui sont là depuis plus longtemps, qui sont avancés et pour qui c'est la langue la plus naturelle aujourd'hui. Il y aura également, pour les gens très religieux et qui pensent que comme on fait mixte, c'est pas pour eux, il y aura éventuellement des cours aussi mixtes, des sessions non mixtes. Non mixtes, mixtes et non mixtes.
Nous, on vient pas ici pour imposer un style. Ce qu'on a envie de voir vraiment, c'est des enfants qui rigolent ensemble. Il y a un côté très sérieux aussi. Il faut savoir qu'on valide chaque stage. Un enfant qui est pas venu de façon régulière, qui se moquait, on lui dit attention, tu vas pas être validé. Et c'est important, Cathy, parce que il y aura des stages pour plus avancés où il faudra venir. La condition d'acceptation, ça sera d'avoir validé deux stages avant, le stage de metteur en scène et le stage de montage. Ah ouais, c'est très sérieux. On est dans le monde de l'entreprise, là. On est un peu dans le monde de l'entreprise parce que notre idée, c'est que petit à petit, les jeunes, moi j'aimerais qu'ils me remplacent au bout d'un moment, mais que les jeunes prennent des responsabilités, qu'il y en ait certains, les meilleurs, ceux qui sont les plus assidus, qui rentrent aussi dans le board du projet, qui viennent nous aider à réfléchir qu'est-ce qu'on peut proposer comme atelier, qu'est-ce qu'on peut faire encore. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis là. Est-ce que si, par exemple, des jeunes nous écoutent et ont quelques idées un peu originales, est-ce qu'ils peuvent te contacter ? Alors, non seulement ils peuvent me contacter, mais on a je vous ai dit que la pub sortait dans 2 jours. Ça correspond au moment où notre site internet va être lancé. Sur le site internet, il y aura toutes nos données. On va le faire passer sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux. Et j'irai jusqu'à Snapchat pour vous trouver. Mais une fois que vous aurez les coordonnées, bien entendu, il y aura une boîte à idées dans le site. Vous pouvez balancer des idées. Vous pouvez même proposer des copains à vous qui sont bons pour venir être aide dans un stage. On prend des jeunes de 14-15 ans et je peux les mettre bras droit du manager qui dirige le stage. Okay. C'est aussi sympa pour les gosses. Alors on répète, 1er novembre de 16h à 18h30. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce projet d'éducation informelle par un professionnel, Bernard Zanzouri ici, présent, qui est dans l'éducation depuis plus de 30 ans. Donc, ça sera de 16h à 18h30 au hub de Qualita, donc en plein cœur de Jérusalem. Vous aurez 2 conférences. On peut même s'inscrire sur place. Et puis, bien sûr, jeudi 8 novembre, je crois que c'est la date de démarrage de ces fameux stages. C'est la date de démarrage. Alors, on est tout excité, hein, toute l'équipe. Il faut savoir qu'il y a des gens derrière, il y a des psychologues. On s'assoit, on est tout à groupe. Ça, c'était le dernier volet de l'émission. Bien évidemment, Bernard Zanzouri n'est pas seul. Il s'est entouré des meilleurs. Donc, juste un petit mot. Je crois qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Alors, je ne veux pas donner les noms encore parce que j'ai envie qu'à la journée porte ouverte, vous fassiez... Au moins les qualificatifs. Au moins les qualificatifs. Il y a des gens du domaine d'éducation, il y a des gens du domaine de la création qui sont là aussi, vraiment, qui travaillent avec nous, qui réfléchissent. Il y a des psychiatres aussi. On a un psychiatre de référence qui est là aussi pour... Parce qu'il faut bien comprendre qu'on va repérer pendant les ateliers des jeunes qui, des fois, ont une petite dyslexie, un problème, un truc qui est peut-être passé à travers les mailles du filet. Nous, on est là pour aider les enfants à se réaliser pleinement, à réaliser leur inventivité, leur créativité, à aller au bout de leurs moyens. Et si on repère un truc qui l'empêche, qui fait obstacle, eh ben on va le dire aux parents aussi. On va en parler. On va parler peut-être, avec bien entendu l'autorisation des parents, on parle de mineurs ici. On va peut-être parler à leur éducateur, à leur prof, à l'école. Mais on veut vraiment enlever tous les obstacles sur la route de la créativité de l'enfant pour qu'il se sente complètement dans son élément. Si on n'arrive pas à faire ça, on n'ira pas au bout de l'idée. Moi, je veux aller au bout de l'idée. Donc, des créatifs, des médecins, quoi d'autre ? Il y a aussi des... Deux psychologues et une assistante sociale qui est ma femme, qui est pas seulement assistante sociale, elle est responsable à la mairie de Jérusalem de tout ce qui est le trauma guichour, c'est-à-dire qui fait l'intermédiaire entre des gens qui sont en conflit, spécialiste des résolutions de conflits entre les gens et des fois entre parents et enfants, il y a des petits conflits à résoudre. Et ce programme-là, le programme pour parents dont je t'ai parlé, qui s'appelle Reconnecting, qu'on va mettre dans le prix de l'inscription, il y aura aussi un droit d'arriver à ce programme. C'est vraiment un truc fantastique qui a été travaillé pendant des dizaines d'heures pour vous donner un produit avec des outils très, très pratiques pour réussir à vraiment communiquer avec votre enfant de la meilleure façon. Donc, faire en sorte que les parents et les enfants se sentent mieux entre eux, faire surtout en sorte que les enfants se sentent bien dans leur basket. Oui, mais toi, ça va t'intéresser. Et les gens qui nous regardent, on est à l'étude actuellement. Il y a des stages pour mère-fille, père-fils, père-fille, parce que on veut aussi voir cette paire travailler ensemble. Très souvent, les enfants aiment bien être entre eux, mais il y a certains sujets où moi, je veux mélanger l'expérience d'un parent, ce qu'il sait faire aussi, avec l'énergie de l'enfant, pour aussi resserrer les liens entre eux. Il y a des trucs très sympas qu'on peut faire. On est en train de bosser dessus. Bon, il y a beaucoup de choses, donc on redonne la date quand même. Ne ratez pas cette porte ouverte, voilà, sur ce projet d'éducation. Ça nous fait du bien parce que on en manque un peu, on doit dire. Donc, jeudi 1er novembre, 16h, 18h30. Merci, Bernard Zanzouri. On n'a pas parlé du prix parce que, évidemment, tout ça, c'est très beau, mais c'est
payant, il faut bien... Alors, on va en parler. On va peut en parler tout ou suite. Pas Oui, bien sûr, d'accord. Il y a un côté associatif. Les 4 séances, c'est-à-dire 4 fois 1h30, ça coûte, le prix de base, c'est 399 shekels. Je rappelle qu'il y a une formation pour parents à l'intérieur, je rappelle qu'il y a... Il y a plein de choses. Grosso modo, en vrai, ça coûte le double, à peu près, du prix dans le projet. Mais si une famille a des difficultés... c'est un prix quand même lourd parce qu'elle a plusieurs enfants et il faut. Il y a des bourses possibles. C'est sur discussion avec moi. Vous venez, vous prenez rendez-vous, on discute et on va arriver. Je veux pas qu'il y ait un enfant qui reste dehors. Ça m'intéresse pas. Donc on trouvera des moyens. On mettra aussi de l'associatif et des associations pour aider. Il faut pas qu'il y ait un enfant qui reste dehors, sinon on est passé à côté du projet. Bon, on pourrait parler encore longtemps, Bernard, mais le temps qui nous était imparti est arrivé à son sinon terme. Vous n'arrivez pas à m'arrêter. Voilà, c'est très compliqué pour moi de tutoyer. Toute l'équipe de Qualita, voilà. J'ai été mal canalisée étant jeune. Et donc... voilà, bon, en tout cas, je peux vous dire que pour avoir assisté au démarrage du projet, il y avait beaucoup, beaucoup d'ambiance dans ce groupe. Les jeunes étaient assez conquis, on va dire, par Bernard, cet adulte qui est resté, on va dire, très proche d'eux, en fait. Oui, très proche. Vous pouvez dire qu'il n'a pas vieilli, qu'il s'est bloqué à 15 ans, c'est pas grave. C'est tout à ton honneur. Bon, voilà. À bientôt, en tout cas. Merci, Bernard, d'être venu. À très bientôt. Venu. Venez tous. Et voilà. Et revenez, après, tous, ensemble. Ouais, on fera une grosse émission, là. Voilà. OK. Avec tous les metteurs en scène. À bientôt. Bye. Ciao. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.